je vais essayer ce nouvel endroit. D'abord, je vais faire un tour à pied pour faire un petit relevage, parce que là, c'est vraiment perdu au milieu de nulle part. J'ai envie de dormir ici. Il y a une habitation juste là. Je vais reculer un petit peu pour pas qu'il me voie. Quoique, non, je vais laisser comme ça. Je vais simplement faire un petit tour à pied pour voir si ça craint pas trop. Quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est une sorte d'impasse. Ouais, ça peut rôder le soir, je sais pas. Mais je vais voir. Pourquoi je vais essayer ce nouvel endroit? Parce que je ne reprends que demain après-midi. Et là, comme il fait chaud, j'ai envie d'aérer dans la journée demain. Et j'ai pas envie de me retrouver dans un petit village où tout le monde peut me voir. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Voilà, c'est des départs de sentier. Avait l'Odyssée. Ça ressemble au canal de Nantes-Brest. J'en suis pas sûr. Je vérifierai tout à l'heure sur une carte. En tout cas, il est vraiment pas loin. Et là, on peut voir Choupette, Titine. Les gens qui ont des véhicules de loisirs, ils aiment bien leur donner un prénom. Michel, Jean-Yves, et j'en passe, et des meilleurs. Alors là, ça, c'est quelque chose. Pas de ça chez moi. Une voiture, c'est une voiture. C'est de la tôle, c'est rien. Bon, c'est de la tôle quand même qui coûte des pépettes. Mais à part ça, non. J'ai pas d'affection pour lui. Je flippe de me le faire voler. Ou qu'il soit abîmé, parce que c'est quand même ma maison. Mais après, le reste, je sais pas. Je ressens rien. Alors moi, je suis là. Je suis sur le bord du canal de Nantes-Brest à pied. Le véhicule est garé sur ici, là où il y a le petit tag bleu, près d'un plan d'eau qui s'appellerait l'Isaac. Et ça confirme ce que je pensais. Donc, ici, c'est le canal de Nantes-Brest. Ouais, bah, j'ai visité un mètre là. Finalement, maintenant, c'est bien mieux. Tu viens le petit âne? Tu viens? Allez, viens. Oui, c'est bien ça. Allez, viens. Oh, c'est mignon. Tu t'ennuies un peu, hein? Tu t'ennuies un peu dans le champ? Tu dis bonjour? Non? Est-ce que tu veux que je te donne de l'herbe? Je vais chercher de l'herbe. Tiens, regarde. Ça, c'est peut-être de la bonne herbe pour les ânes. Est-ce que tu veux manger cette herbe? Tiens. Qui c'est qui veut de l'herbe? Tu veux de l'herbe là-bas? Tiens, il en reste. Non, il veut pas. Personne veut de mon herbe. Je vois que j'approche une écluse qui va me permettre de passer de l'autre côté du canal. Et comme ça, je reviendrai jusqu'au camion en prenant le chemin côté gauche. Ce qui permettra de faire une mini boucle. Bon, je suis un peu déçu, ce n'est pas une écluse, mais un pont routier. Hop. Comme à Disneyland. Ah, il y a un parking là. Donc si cette nuit je suis dérangé, éventuellement je pourrais me mettre ici. Voilà, je viens de le noter. VPK 220614, on est le 14 juin 2022, V pour véhicule, parking. Clac. Et comme ça, j'ai ce point qui est ici, si je veux y revenir. En fait, je reste encore un mois et demi dans la région, pour le travail. Celui-là est pas mal. Il est sur le bord de la route. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si ce soir je suis dérangé, je viens.
Et maintenant, me voilà de l'autre côté et je retourne jusqu'à mon parking. Ça ne m'inquiète pas de devoir refranchir le canal parce que, comme je l'ai vu, près de mon parking, il y a un petit pont. Les eaux sont quand même foncées, hein, du canal. Perdu, le pont c'est entre l'étang et le canal, mais je ne peux pas franchir le canal. Il y a mon canot qui est là-bas. Et oui, j'avais oublié qu'il y avait un étang. Là où il y a le camping-car, c'est l'aire officielle des camping-cars. Et juste derrière le camping-car que l'on a vu, il y a la 2x2. Alors, on ne le voit pas depuis la caméra, mais quand on est sur la 2x2, on voit très bien le camping-car. Et ça va, elle est proche. J'avais deux possibilités, soit prendre par la droite, entre le canal et l'étang, ou soit prendre à gauche, où se trouve la guinguette. Je vais longer par la guinguette pour voir de quoi ça retourne. A l'air plutôt calme. Option intéressante ce parking finalement. J'aurais pas cru. Me voilà sur le fameux pont qui m'a induit en erreur. Je l'avais pris en plus à l'aller. C'est le pont qui rejoint l'étang au canal. Et qui ne franchit pas le canal. Je vois mon fourgon qui est à 100 mètres d'ici, il y a juste une voiture devant. Le parking est vraiment tranquille. Tac, retour à la maison.